Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques surprises de Halloween dans ces deux sacs. On va d'abord retirer ces petites branches aux couleurs de Halloween. Et on va commencer par le sac vert, celui de Frankenstein. Nous avons un petit panier pour la chasse aux bonbons. Il y a aussi une momie en squishy. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Nous avons une figurine de Barrel, l'un des personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voyons voir ce qu'on a d'autre. On a des petits sacs, un avec une sorcière et l'autre avec des citrouilles de Halloween. Et là, nous avons une autre figurine de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il s'agit de Sally. Voyons voir la prochaine surprise. C'est une petite boîte avec un fantôme. Et c'est en fait un petit puzzle que l'on va devoir assembler. Voici toutes les pièces. Et voilà, on a reconstitué cette belle image de fantôme. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Nous avons une image de Frankenstein que l'on doit finir de décorer. Et ce sont des autocollants. On va lui mettre des yeux, une bouche, un nez et quelques petites décorations de Halloween. Citrouille, chauve-souris, bonbons. Et voilà Frankenstein. Je crois qu'il reste encore une dernière surprise. On a une autre image en forme d'autocollant. Allez, c'est parti! On va mettre les yeux, une cicatrice, le nez, une bouche, un chat noir, un flacon de potion magique, un bonbon. Et voilà la deuxième image de Frankenstein. On a fini de voir ce qu'il y avait dans le premier sac. On va maintenant s'occuper du deuxième sac en forme de citrouille Jack-o'-lantern. La première surprise est une figurine de Oogie Boogie, aussi de l'étrange Noël de Monsieur Jack. On continue. Et là, nous avons un autre sac pour la chasse aux bonbons, en forme de citrouille Jack-o'-lantern. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, nous avons deux petites choses. Le balai de la sorcière et un sac avec des toiles d'araignée de différentes couleurs. Et là, nous avons, on dirait, un autre puzzle. C'est un puzzle avec des citrouilles. Voilà toutes les pièces et on va tout de suite l'assembler. Et voilà,
une très belle image. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une citrouille autocollant que l'on doit décorer. On va la mettre sur la page blanche. On lui met des yeux. Un nez. Une bouche. Et quelques petites décorations tout autour. Et nous avons notre citrouille avec beaucoup de bonbons autour d'elle. Je crois qu'on a une deuxième image autocollant que l'on va faire. On va lui mettre deux grands yeux et une grande bouche aussi et un nez. On va aussi mettre quelques petites décorations autour de notre citrouille. Et voilà, la deuxième citrouille est prête. Voyons voir ce qu'on a d'autre dans notre sac. Et nous avons une décoration qui représente des jambes de sorcière. On va tout de suite la décorer et on commence par le noir. Et on continue en orange. Et finalement, on va colorier tout autour au feutre métallisé couleur kaki. Et nous avons de très jolies jambes de sorcière que l'on peut bien sûr utiliser pour décorer. On va les mettre sur leur socle. J'espère que cette petite vidéo de surprise de Halloween vous a plu. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.